Pourquoi les mecs, vous ne vous préservez pas, mais vous voulez épouser les filles vierges? Ok, prochaine question. Sommes-vous capables de vous abstenir jusqu'au mariage? Non. Oui. C'est très sauvage. C'est très... Coucou la mini-foot, on se retrouve encore avec les potes comme dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, on sera une vidéo assez spéciale, assez sucrée. Et nous avons décidé encore une fois de plus de leur poser les questions. Parce que les questions indiscrètes, guys. Les questions que nous, les filles, parce qu'on avons pensé, on n'a jamais osé poser aux garçons. Donc maintenant, nous sommes curieux de savoir ce qu'ils en pensent. Si la vidéo vous intéresse, donc restez juste pour suivre la suite. Sans plus tarder, on va se lancer. I got broads in Atlanta, choose to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the van, legacies, family, when you see them like a panda, going out like a matin. Première question, guys. Pourquoi les mecs, vous ne vous préservez pas, mais vous voulez épouser les filles vierges? Ouf. C'est ça le point de départ. C'est injuste justement. C'est injuste, je sais pas si c'est vrai, parce que moi c'est pas mon cas. C'est vrai, je ne me suis pas posé la question. Non, c'est vrai, en fait, en général, c'est comme ça. En fait, du genre, l'homme quand il veut se marier, il est privilégié. On ne dit pas 100%, mais à 90%, il privilégie les femmes vieilles. Pourtant, lui-même, il n'est pas puceau. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Moi, je peux pas répondre parce que là, moi, je n'ai pas posé la question. En fait, dans la mesure où je me suis jamais posé la question, et moi, je ne savais pas que c'était un fait. En fait, donc, pour vraiment être honnête, je ne peux pas dire. Ok, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Moi, je dirais. Ça dépend. Je préfère bien qu'on ait la même taille. Moi, je préfère qu'elle soit un tout petit peu plus basse que moi. Plus basse. Et toi? Moi, j'ai pas vraiment de préférence. Elle est pas un tout. Même si elle a 2 mètres. Non. C'est pas la taille qui compte. Mais donc s'il faut choisir, j'aimerais qu'on ait la même taille. Quand c'est vers le bas, en fait. Exact. Donc, quand l'on se baisse. Mais après, sa fille qui est là. Exact. Parce que si elle est un peu grande aussi, c'est clair que si elle met ses talons comme d'habitude, nous le sommes. Bon. Ça devient. Ok, nickel. Ouais. Troisième question. Quel est l'âge idéal pour vous? Pour faire quoi? Pour se marier. Pour tuer. Je suppose. Alors, ça dépend. Attendez, essayez de le prendre. Pour l'âge idéal est en rouge. Ah, les 4 qui doivent avancer. Ah, les 4 d'âge. En tout cas, l'âge idéal est en rouge d'être plus vieux. Moi personnellement, c'est clair qu'en général l'homme est plus vieux, mais ce n'est pas un fait, ce n'est qu'il n'est pas, c'est juste comme ça en fait. Mais en réalité, c'est en général la réalité. Mais moi personnellement, du moment où, moi en réalité, pour moi l'âge ne compte pas en réalité. Moi, là, ça vient comme genre en 5e position, tu vois. Ouais, la même chose. Après aussi, c'est vrai, il y a les cas, si ta copine te dépasse de 5 ans, 6 ans, c'est clair qu'après,
quel que soit l'amour qui est au milieu, vous serez quand même concret à devoir faire face à certaines difficultés dans la société un peu. Mais un an de cas, même âge, tu as dépassé d'un ou deux ans, tu stars, selon moi ça va. Moi personnellement, je préfère que, même si elle me dépasse d'un an, ah ben, pour moi c'est bon. À partir de 3, je commence à m'inquiéter. Exactement. À partir de 3, 4, je commence à m'inquiéter en fait. Moi personnellement, si elle me dépasse en âge, ça risque donc pas, ça va me déranger en fait. Mais tout c'est que si elle aussi, trop plus jeune que moi, ou moins trop jeune par rapport à mon âge, on va dire comme ça. Il y a risque de pédophilie donc. Ni trop vieux, ni trop jeune en fait. Exactement. Ok, prochaine question. Serez-vous capable de vous abstenir jusqu'au mariage? Non. Oui. C'est très sauvage. Alors. Mais avec sa pose, qui dit quoi? Non, c'est son sa pose. Ça, c'est la copine, mais vous n'avez pas le rapport, c'est juste mon mariage. Et toi, tu vas dire la vérité, mais moi, c'est tout pas. Donc, dis d'abord sur un inconscient. Est-ce que vous pouvez supporter? Non. Personnellement, non. Et toi? Moi, je vais me mettre dans le cas. Ne me pas dans le cas. Tu ne peux pas. Il n'y a pas de cas. Et donc, si c'est le ministère a dit que tu ne peux pas. Non, mais ça dépend. C'est ça ou c'est ça? C'est oui ou non? Moi, je suis du côté des hommes fidèles et des hommes qui pensent et qui sont sûrs que la première relation devrait se faire dans le mariage. Après le mariage, oui. Okay, donc lui, toi, personnellement, ça veut dire qu'en fait, il est capable de s'abstenir jusqu'au mariage. Il est capable de s'abstenir jusqu'au mariage. Non, personnellement, ça dépend. Bon, ça dépend si on se marie après une semaine et après une semaine après c'est plus mieux. Oui, je suis pas m'abstenir. Non, on sait qu'après c'est au moins 3 ans après. Mais 3 ans. Tu vois la vérité, c'est que nous sommes souvent prêts, c'est tel le problème en fait. Nous sommes prêts à nous abstenir jusqu'au mariage. Le problème c'est la femme. Elle n'est pas prête. La question c'est est-ce que vous êtes prête à vous abstenir jusqu'au mariage? Mais c'est quoi? On vous pose des questions, les gens. Non, c'est nous sommes capables, c'est juste que c'est l'homme qui n'est pas supporté. Prochaine question. Voilà. Parmi vous, vous avez tragué les goûts. Bien sûr. Donc, et quand Hugo vous prend, comment vous réagissez? Bon, je cherchais ça remplaçant. Non, mais sous Bitoche, ça t'a pas bête, tu es. Personnellement, on a vu une fille en route, on l'a dragué. Non, c'est déjà des trucs. C'est pas quand vous draguez, ça peut être. C'est-à-dire que tu dis, je suis appris l'or, là, puis tu t'en prends un, deux mois. Quand moi, il dirait cette question, non, mais cette question, elle peut. Donc, elle dépend. Oui, tu dirais d'investir. Si on peut dire ça comme ça, dans la mesure où plus tu t'es investi, et plus ça te fait mal. C'est un peu comme une colline que tu grimpes chaque jour. Au fur et à mesure, on te donne l'espoir que tu vas arriver au sommet, tu grimpes, tu fais que grimper. Et au fur et à mesure que tu grimpes, tu t'éloignes justement, tu as pris l'éloigné du sol. Et là, lorsqu'on va te lâcher, plus haut sera la chute, plus haut sera plus grand sera la chute. Je pense que c'est ça. Donc ça dépend vraiment du degré d'investissement. Mais moi personnellement, lorsque je me lance dans cette optique-là, je lui dis garder une fille. Psychologiquement, il sait déjà que je m'attends, il y a cette réponse-là. Non, ça veut dire que moi, généralement, ça m'affecte pas trop. Ça veut dire que psychologiquement, quand je vais, c'est pas que je suis négatif, hein, non. C'est parce que, ok, ma belle, elle n'est pas obligée déjà d'avoir. Ça, c'est clair. Ça veut dire que si tu gardes une fille, ça veut dire qu'on n'est pas écrit nulle part, il n'est écrit nulle part, que si tu gardes une fille, elle va te dire oui. Donc, moi, je pars déjà dans cette optique que si elle dit non, ma belle. Bon, et après, si elle dit non, et qu'on continue à être en contact, à être des amis, bon, ok, ça peut aller, bon, mais après c'est difficile en fait. On va dire, les garçons m'ont encouragé là. Moi personnellement, non. Quand tu kiffes, j'aborde toujours. Parce que je pas toujours dans l'idée que tu me bats. C'est comme ça, pour moi c'est comme ça. Donc il n'y a pas. Pour moi, il n'y a pas de. Alors, tu me plais, je t'aborde. Au moins, le premier contact il y aura, forcément.
Parce que je préfère rentrer avec des souvenirs que de rentrer avec des regrets, en fait. C'est en fait ça. Ok, et toi? Moi, je dirais oui. Nelson. Déjà ou quoi? Oui. Et pourquoi? Ouais. Et pourquoi tu l'as volé? Pourquoi? Le truc, c'est que on était amis. Et puis moi j'ai dit bon, mieux vaut rester ami que de la voir. Et toi, moi, c'est meilleur arrivé, je suis pas allé parce que par orgueil. Ah, ok, par orgueil. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Encore si c'est une meuf que tu côtoies tout le temps et tous les jours, tu vois. C'est clair que nous les bonjour, bonsoir, t'en auras rien. Ok, on a pris notre prochaine question. Vu vos personnalités, non, pouvez-vous accepter que vos soeurs, bien que ta soeur par exemple, soit avec un mec comme toi? Vu comme tu es là, tu peux accepter. Vu comme je suis, oui. Tu peux accepter un mec comme toi? Tu apportes, du moins si ta soeur apporte un homme qui te ressemble très pour très comme deux gouttes d'eau, on va dire, et tu dis non, ça veut dire que je ne t'aime pas toi-même en fait. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ça veut dire que tu te reproches, par exemple. D'abord, par exemple, tu vois, il y avait les potes du genre, ils sont les gars qui fumaient pour faire le chant, tu vois. Mais il ne peut pas accepter que sa soeur amène un mec qui fume le chant. Exactement. Du genre, fais ce que je dis, mais fais ce que je fais. Moi, je dérange pas. Les garçons, je les femmes à deux têtes. Ils sont pas là. Non, toi, je mets dans la trois. C'est la bonne. Prochaine question. Ok. Prochaine question. Lors de votre première fois. Ok. Comment vous êtes senti? Je suis un peu stressée. On veut savoir aussi en fait. Moi, j'ai curieux de savoir, c'est une bonne question. Il y a un bisou. Ah bah, pour ceux qui ont un peu pour la première fois. Voilà. Ouais. Je suis pas fini. Ah ok, apparemment, il y a un volontaire pour nous répondre. Comment tu te sens, boss? Joker. Hein? Plus peur que on a plus cette sensation de peur que de stress. Peur pour le fait de ne pas être à la hauteur. C'est vrai que nous sommes inexpérimentés, mais nous on se dit toujours qu'on doit être celui qui dirige. C'est clair. Et si à la fin tu n'es pas celui qui dirige, toi tu dis t'as été C'est clair, c'est pas évident. Parce que moi même si ça devait être la première fois.
Je pense que c'est plus de peur en fait, comme il y a de que de stress. Après, c'est pas banal aussi. Hein. Après c'est pas banal. Après, non, il faut beaucoup. Et pour eux, c'est la peur en fait. Ah, ouais, il y a plus de peur. Okay. Non, de ne pas être à la hauteur. Ne pas être à la hauteur. Et pourquoi j'ai une question par ailleurs, une question qui dérive de celle-ci. Pourquoi est-ce que la plupart des mecs n'aiment plus du genre être le premier mec d'une fille vierge? C'est ça, c'est trop le problème. Ah, m'avait dit que c'est ça le boulot en fait, que l'autre doit faire le boulot et lui il vient quand tout est arrangé. Tu vois, on veut savoir, dites-nous. Oui, dites-nous pourquoi est-ce que vous n'aimez pas. Je sais pas. Le mal de ce qu'il y a appris par rapport à cela, c'est que la fille a tendance à s'accrocher au mec après. Il est même n'aime pas ça. Moi, selon moi, je dirais que c'est parce que nous, on n'aime pas. Bon, les mecs qui ne veulent pas des filles vierges, c'est juste le travail qu'il y a derrière. Il y a un travail derrière. Il y a un travail à la fois psychologique, mental et même. Travail physique même. Prochaine question. Quand une fille voudra, comment vous prenez la chance? Il arrive soit que des hommes disent non, parce que peut-être ils sont en couple, ou bien parce que la fille particulièrement ne la prépare pas. Moi, c'est par vrai, exemple, mais... si une fille me drague, je ne veux pas faire maintenant. Non. Si tu ne me plais pas, je te dis non, tu ne me plais pas. Après, non, l'idée justement, c'est. L'idée en fait, c'est quoi déjà? Si une fille, justement, le courage de t'avouer, ça veut dire que vraiment, si elle a le courage, seulement, c'est ça qu'il faut déjà l'avoir. Parce que il y a beaucoup de filles qui. Kiffe les mecs, mais elle ne veut pas tout simplement parce que la tradition veut que ce soit lui qui vient. Tu vois, il y a ce problème là de tradition et de. Tu vois un peu. Donc, déjà, si une fille a le courage de faire le premier pas, pour moi personnellement, je trouve ça génial. Loin même du fait qu'on ait peur peut-être qu'on soit rejeté en Suisse, le tout, la vraie peur qu'on a, c'est le fait que quand on se met dans la relation, quand il y aura problème, il va tout se dire, on se dit en fait que l'on va dire que ce n'est pas c'est toi qui m'as dragué, machin. Ouais, tu vois, cette mentalité du genre qu'il va se prendre les ailes parce que c'est moi qui suis venu, tu vois. Non, en fait, cette pensée là. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on dit de moi, c'est pas l'homme qui en fait, déjà, c'est ce qu'on a en tête que bon. Et donc, c'est bien quand c'est l'homme qui. Non, mais après, il y aura pas de. Quand c'est la famille, c'est là, C'est pas qu'on trompe, c'est pas qu'on n'aime pas la personne avec qui on est, non. C'est juste qu'on veut, ça. Tiens. C'est quoi, vous voulez du bouteille? Tu, par exemple, comment tu as fait pour savoir, par exemple, quelle est la boisson qui te plaît le plus? L'eau. Non, comment tu as fait pour savoir que c'est la boisson qui te plaît? Non, là, je vais là. Tu as goûté d'autres, ça ne passait pas. C'est simple, l'homme. Je dis dans le sens où, si tu as la copine, on suppose que tu as fait toutes ces étapes de beauté. Parce qu'en général, quand tu as l'histoire en parallèle,
avant que maintenant il choisisse une à la fin. C'est un peu comme quand tu cherches un boulot. Non, Ça, c'est comme je l'ai dit depuis le départ, ça, c'est pour ceux qui... Les gars sont fidèles et donc, ils sont fidèles et donc. Les gars sont fidèles et donc. Très fidèles. Le mec est fidèles. Ça fait horrible. Non, on remercie déjà d'avoir répondu à toutes ces questions auxquelles nous avons souvent pensé. Donc, on n'a pas souvent osé dire. Donc là, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas surtout de liker, de commenter, de vous abonner. Et bien sûr, laissez un thumbs up pour... tous mes potes qui sont là, qui ont le plaisir de répondre à vos questions. Donc, et si vous avez d'autres questions à nous poser, laissez ça dans les commentaires et nous répondrons dans une prochaine vidéo. La réponse va dépendre de la question. Ils vont répondre. Donc, so guys, see you in the next video. Big up. Ciao.